Le 22 mai 1885, à midi, un ouragan, tonnerre et grêle, se déchaîna sur Paris, à l'heure où Victor Hugo agonisait dans les bras de sa petite fille, Jeanne. Ses dernières paroles furent « Je vois de la lumière noire. » Et par association d'idées, Jeanne revoyait à travers son chagrin et ses larmes cette journée de son enfance où son grand-père chéri lui avait glissé dans la pénombre d'un cabinet noir un pot de confiture défendu. Et lui avait fait une promesse. Bonjour, monsieur le curé. Vous êtes le premier. Asseyez-vous. Merci. Vous permettez? Je vous en prie. Ah, du latin. L'Énéide. L'Énéide. Je ne connais pas. Nous n'avons pas les mêmes lectures. C'est du Virgile. Mon livre est de Dieu. De Dieu. Par personne interposée. Très interposée. Monsieur Hugo, vos livres, vos gazettes, vos idées nouvelles nous font beaucoup de mal. Et votre République, votre République. Notre République. Elle a 7 ans, notre République. Laissez-la grandir. Ah, voilà Monsieur Édouard et Madame Alice. Voilà, je t'ai tout dit. Tout? Tu es bien sûre? Oh oui. Ah non. Je suis punie. Punie? Et quel crime as-tu donc commis? Regarde, je me suis fait griffer par le minet. Tu lui as encore tiré la queue? Non, pas la queue, les moustaches. Ah, ma petite Jeanne. Qu'y a-t-il, mon bon Victor? On demande mademoiselle Jeanne là-haut. Et ça presse. Bon, allons-y.
Tu t'appelles Victor, comme grand-père. Oui, je m'appelle Victor. Alors ça fait deux Victor. Et ça fait deux Victor. Mais grand-père, lui, il est écrivain. Moi, je sais pas écrire. Moi, je sais, moi, je sais. Jeanne était au pain sec, dans le cabinet noir, pour un crime quelconque. Et manquant au devoir, il va voir la proscrite en pleine forfaiture et lui glisse dans l'ombre un pot de confiture contraire aux lois. Tous ceux sur qui, dans la cité, repose le salut de la société s'indignèrent. Jeanne a dit d'une voix douce. Je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce. Je ne me ferai plus griffer par le minet. Mais l'on s'est écrié. Cette enfant vous connaît. Elle sait à quel point vous êtes faible et lâche. Elle vous voit toujours rire quand on se fâche. Pas de gouvernement possible. À chaque instant, l'ordre est troublé par vous. Le pouvoir se détend, plus de règles. L'enfant n'a plus rien qui l'arrête.
Vous démolissez tout. Et il baissa la tête et il dit... Je n'ai rien à répondre à cela. J'ai tort. Oui. C'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte. Qu'on me mette au pain sec. Vous le méritez, certes. On vous y mettra. Jeanne, alors, de son coin noir, levant ses yeux si beaux à voir, plein de l'autorité des douces créatures... Eh bien, moi, je t'irai porter des confitures. C'en est trop. C'en est trop. Faites quelque chose. Alors, venez, sortons. Rien d'étonnant de la part d'un homme qui ne prie jamais. C'est beau. C'est beau. Grand-père, c'est vrai que tu ne pries jamais? Aussi. Qu'est-ce que c'est ta prière? Seigneur, faites que je ne voie l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles. La maison sans enfants. Grand-père, tu ne mourras jamais. Jamais. C'est promis. Mais le 22 mai 1885, à 13h27, Victor Hugo ne tint plus sa promesse.